Bien, bonjour à tous et bienvenue à nos participants pour cette conférence, visioconférence organisée autour des mystères de Mitra que nous allons explorer ensemble dans la baie du Mont-Saint-Michel. Cette visioconférence est l'occasion de découvrir et débattre ensemble de la place de l'orientalisme dans cette baie, de ces échanges entre Orient et Occident. Cette conférence est organisée aujourd'hui en partenariat avec le réseau des entrepreneurs du pays du Mont-Saint-Michel pour à la fois marquer l'importance d'une reprise culturelle dans la baie et également aussi souligner l'ancrage historique extrêmement fort, l'ouverture qui s'est faite dans la baie du Mont-Saint-Michel en direction de l'Orient. Puisque vous le savez, il existe à travers le scriptorial, à travers les manuscrits du Mont-Saint-Michel, une très grande tradition d'érudition, des moines copistes qui vont se faire la synthèse de connaissances, de savoirs issus à la fois de la culture grecque, mais sur le pupitre des lettres, pour ceux qui connaissent bien toute la démarche de réhabilitation du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel, il est possible de se promener au milieu de quatre alphabets. Il y a l'alphabet grec, latin, hébreu, arabe, et il manquerait peut-être un peu de farsi pour effectivement faire le lien avec la Perse. Alors, vous savez que de l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques se sont beaucoup intéressés aux traces de Mitra. Et vous avez dans une institution culturelle extrêmement intéressante à découvrir à Londres, le Museum of London, un espace, un centre d'interprétation consacré aux traces antiques de Mitra sur le sol britannique et en particulier dans ce grand port antique qui était à l'époque Londinium. Et cet espace a été fortement soutenu et encouragé par un mécène, Bloomberg, qui est a été un ancien maire bâtisseur extrêmement important à New York et qui a choisi effectivement de soutenir la renaissance d'un espace qui permette aux visiteurs de découvrir les traces mystérieuses de Mitra. Nous allons regarder ensemble comment finalement la baie de Mont-Saint-Michel a été un formidable écrin justement ouvert aux innovations transmanches, ouvert au dialogue des cultures et au dialogue des civilisations. Vous le savez, cette baie est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979. Elle constitue une véritable prouesse artistique et technique. Et il reste encore énormément de choses à découvrir, à la fois parce que vous savez que l'archange Michel est cité dans les trois religions du livre, et donc ce qui ouvre un chapitre extrêmement intéressant pour justement réfléchir à la façon de mettre en valeur des sujets collaboratifs, des sujets de partage, de transfert de connaissances, d'innovation, et peut-être bien au-delà justement croiser aussi les interprétations spirituelles qui ont été à la fois véhiculés par des pèlerins, mais aussi beaucoup de garnisons, de gens qui étaient de passage et qui ont utilisé un peu la Manche comme un véritable couloir. Et malgré l'actualité un peu difficile avec le Brexit, je crois qu'il y a un débat extrêmement riche, un débat transmanche qu'on pourrait aussi avoir avec nos voisins britanniques sur justement la place que prend l'orientalisme dans nos échanges respectifs. Alors ici, quelques photos sur cet espace mouvant d'eau. Vous êtes ici dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui avait un peu tendance à s'envaser,
Et dans le cadre d'un grand projet de rétablissement du caractère maritime, les automobilistes, les visiteurs maintenant accèdent au mont grâce à une passerelle. Et a été aussi aménagé un barrage pour mieux gérer justement le jeu des marées. Et lorsque a été inauguré en présence à l'époque de Dominique de Villepin, ces grands projets d'infrastructures pour restaurer le caractère maritime de la baie. À l'époque, le président de la région Basse-Normandie, qui est un athée, avait dit « Monsieur le Premier ministre, vous avez maintenant, grâce à tous ces travaux titanesques, rétabli le caractère maritime de la baie, il va falloir maintenant rétablir son caractère spirituel ». Et peut-être que c'est un élément qui peut aussi fortement intéresser aujourd'hui des sociétés savantes, des sociétés d'histoire, des gens qui s'intéressent aussi au croisement justement des représentations culturelles et spirituelles autour de cette baie millénaire. Récemment, pour certains qui suivent la presse locale, il y a eu des travaux assez récents qui ont mis en lumière un certain nombre de découvertes. Vous savez que la baie du Mont-Saint-Michel aujourd'hui n'est pas tout à fait représentative de ce qu'elle a été par le passé, puisqu'un certain nombre de polders ont effectivement grignoté progressivement des terres, mais il y avait, pour le passage des pèlerins, pour le cabotage et tout simplement les échanges transmanches, qui étaient aussi très riches avec les îles anglo-normandes, un certain nombre de ports. Vous avez le prieuré d'Ardevon qui était où arrivaient notamment des bateaux. Et récemment, des travaux ont aussi mis en lumière l'existence d'un port gallo-romain qui aurait existé et qui aurait été une sorte d'avant-port de la ville d'Avranches, qui abrite les manuscrits du Mont-Saint-Michel à travers son scriptorial. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension portuaire révèle effectivement le rôle extrêmement fort qu'a pu jouer la baie en termes de carrefour transmanche vers les îles britanniques, à travers le passage de commerçants, de marchands, mais aussi de garnisons romaines. Et c'est cet élément-là qui est véritablement intéressant, puisque à travers ce musée, ce temple de Mitra mis en valeur par le Museum of London, on retrouve de manière assez nette le rôle extrêmement fort de ces routes maritimes, de ces contacts, et qui ont été à la fois peut-être porteurs justement d'un syncrétisme, on va l'explorer, entre la Perse et l'Occident chrétien pendant toute la période antique de l'Empire. Alors, il y a effectivement des pistes qui ont été avancées aux portes de la Bretagne et de la Normandie. Du côté de Dol de Bretagne, il y a eu effectivement des écrits qui ont attesté la présence d'hôtels tauroboliques qui avaient des références justement à Mitra, rappelant que ce culte perse de Mitra a été effectivement importé par des garnisons romaines. Il est possible de retrouver dans le reste de la France des fouilles archéologiques qui ont été réalisées. À ce sujet, l'INRAP a un dossier extrêmement complet sur un temple de Mitra qui aurait été découvert dans le département du Maine-et-Loire, dans la ville d'Angers. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder comment, à travers le prisme des relations transmanches, vous savez que les échanges entre la Normandie et son partenaire anglo-normand sont extrêmement fortes, il existe de nombreuses relations de jumelage, comment peut-être que les Britanniques pourraient aussi nous stimuler à explorer un peu plus loin justement ces traces de Mitra, et on va regarder ensemble ce qui a été justement fait par nos voisins. Alors, vous avez par exemple ici une photo qui a fait beaucoup sensation. Pendant les périodes extrêmement difficiles de la guerre, il y avait eu beaucoup de bombardements à Londres, et il y a eu des travaux entrepris dans les années 60 pour améliorer l'urbanisme de la ville, et a été découvert par hasard justement les traces d'un temple qui aurait été consacré à Mitra.
Alors, le rôle de ces fouilles est extrêmement intéressant. Il y a aussi d'autres exemples qui sont extrêmement intéressants et qui existent en particulier en Normandie. Je pense à l'histoire extrêmement fascinante de la Maison Sublime de Rouen, qui est un véritable joyau du judaïsme médiéval et qui a été découvert en 1976 sous la cour du palais de justice à Rouen, qui, je crois, aujourd'hui est le siège de la cour d'appel. Et finalement, ces découvertes ont été aussi stimulées par des publications universitaires de l'autre côté de l'Atlantique, le rôle extrêmement important joué justement par l'Oriental Institute de Chicago, qui avait beaucoup mis en valeur justement les échanges transmanches et ces liens qui ont permis aussi permis l'établissement finalement de communautés juives médiévales, à la fois en Normandie, mais aussi dans le royaume d'Angleterre. Alors, vous avez ici quelques images, effectivement, de ces fouilles, et je crois qu'il est possible aujourd'hui à Rouen de découvrir cette maison sublime qui a été aussi mise en valeur à travers un certain nombre de manifestations et de différents colloques universitaires sur les traces de ce judaïsme médiéval entre Normandie et Angleterre. Alors, regardons effectivement maintenant le contexte un peu plus qui nous réunit aujourd'hui autour des traces du culte perse de Mithra au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, alors vous voyez ici cette passerelle maintenant qui est qui relie le mont avec une navette et à la fois un sentier pour les marcheurs. Regardons ensemble effectivement comment ce territoire, cette baie inscrite à l'UNESCO, est peut-être un formidable carrefour transmanche dans lequel beaucoup de choses restent à découvrir. Alors, partons peut-être pour explorer ce sujet sur ce qui a été entrepris de l'autre côté de la Manche par nos voisins britanniques. Il y a eu effectivement des fouilles extrêmement fortes menées par le Museum of London, qui a vraiment travaillé sur les origines antiques de Londres, sur l'histoire et l'établissement de ce port antique, de sa relation aussi avec des diasporas, des communautés nomades qui vont progressivement forger sa prospérité. Et il est vrai que Londres va aussi beaucoup se développer, développer de nouvelles opportunités commerciales offertes par les passages de l'armée romaine. Alors, ces passages justement attestent de croyances romaines extrêmement variées, d'une population qui s'adonne à un certain nombre de cultes, à une très grande diversité religieuse, une très grande diversité spirituelle, avec des croyances, des divinités qui sont extrêmement variables et qui s'expriment à travers des sanctuaires, mais également des figurines, de l'idolâtrie qui s'expriment dans la sphère privée, dans des maisons. Et puis, un certain nombre de rituels aussi qui vont accompagner justement ces différents cultes. Alors, ce temple de Mithra a effectivement, je vous parlais des découvertes qui ont été faites à Angers, extrêmement intéressantes pour ce qui concerne l'Hexagone, mais il y aura à Londres un article dans la presse qui va effectivement éveiller beaucoup de curieux et qui va relancer les pistes, les traces du culte de Mithra, d'abord sur le sol britannique. Ces découvertes remontent à 1954 et effectivement, c'est quelque chose qui va beaucoup surprendre et interpeller le public londonien. Et les archéologues qui effectivement vont découvrir ces fouilles vont très vite attirer, comme vous voyez ici, beaucoup de curieux. Alors, s'agissait-il du seul temple? Eh bien, d'autres découvertes archéologiques ont été aussi réalisées dans la City de Londres.
mais celui-ci a été le plus complet puisqu'on a pu trouver une corrélation, un lien avec une iconographie très précise, puisqu'elle aurait été justement retrouvée à l'intérieur une tête qui faisait justement référence à Mithra. Aujourd'hui, Londres a gardé un peu cet esprit, ce trait d'union entre une culture britannique et puis une canopée nomade de talents, puisque l'environnement multiculturel de cette ville est toujours extrêmement ouverte vers l'Orient et le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Et ce qui a peut-être motivé justement les institutions culturelles londonienne, c'est de véritablement montrer, signaler que depuis les origines même de Londres, il y a eu aussi ce syncrétisme très très fort entre Orient et Occident. Alors ici, vous avez les plans justement de la reconstruction du temple de Mithra qui a été soutenu par le mécène et ancien maire de New York, Bloomberg. Il est effectivement possible de redécouvrir, alors à la fois sur un site internet extrêmement complet, mais tout simplement sur place, lorsque les restrictions de circulation se seront simplifiées, la possibilité de se projeter et de découvrir un peu l'environnement de ce temple et la façon dont les rites et les rituels étaient justement mis en scène. Vous avez ici l'intérieur justement de cet espace, qui est intéressant, comme vous voyez, puisqu'il y a une reconstitution à la fois des restes qui ont été identifiés lors des fouilles, et puis une muséographie extrêmement dynamique qui peut-être peut inspirer justement dans le Mont-Saint-Michel des institutions, je pense au scriptorial d'Avranches, avec l'importance justement que les moines copistes avaient apporté aux connaissances de l'Orient. Alors le mithraïsme, effectivement, ce mouvement a été aussi à traverser les mers, a été répandu selon certaines interprétations par des garnisons romaines, et il est possible effectivement de retrouver en Bretagne, en Normandie, des traces. Il y a eu effectivement des écrits de religieux qui ont mentionné des recherches qui ont été menées. Mais je crois que ce sont les Britanniques qui sont allés jusqu'au bout de la démarche, et peut-être que nous gagnerions justement à nous investir aussi collectivement dans ce sujet. Cette visioconférence est aussi un appel pour intéresser des érudits locaux, des passionnés d'histoire, qui aurait peut-être des connaissances à apporter dans ce domaine, et d'essayer aussi de mettre en cohérence les informations disponibles. Puisque Mithra s'inscrit aussi dans des temps intéressants qui peuvent aussi apporter des éléments sur les origines aussi pré-islamiques m'a personnellement amené à croisé aussi en Azerbaïdjan, dans la mer Caspienne et aussi dans le golfe Persique, mener différentes recherches. Et il est vrai qu'on manque peut-être un peu de connaissances par rapport à cette période pré-islamique, et peut-être que Mithra pourrait justement apporter un élément de renforcement de la connaissance des religions et peut-être même du dialogue justement interreligieux. C'est quelque chose qui peut être aussi à la fois extrêmement fort pour la baie du Mont-Saint-Michel, puisque vous savez que l'archange Michel est cité dans les trois religions du livre, les religions juives, chrétiennes et musulmanes, et peut-être que Michel, Michaël, ou il y a plusieurs façons d'annoncer cet ange, pourrait être un élément extrêmement fort du dialogue, justement, et puis un incubateur pour explorer justement des choses par rapport aux traces de Mithra. Je vais vous proposer d'écouter maintenant la présentation d'un intervenant qui a mené des recherches
Il va à la fois vous apporter son vécu personnel, qui est extraordinaire, puisqu'il a un parcours de diplomate. Il connaît très, très bien l'Iran, puisqu'il a travaillé à Téhéran. Et il réactualise aujourd'hui des recherches autour de Mitra. Et c'est un dialogue extrêmement fort que nous souhaitons, avec l'ensemble des participants, réinventer, réfléchir ensemble comment, finalement, la baie du Mont-Saint-Michel, à travers ses industries créatives et culturelles, pourrait justement développer peut-être des parcours sur les traces de Mitra. Il y a aussi peut-être des actualités aujourd'hui qui encouragent à rapprocher la Perse et l'Europe. Ça sera mon mot de conclusion avant de laisser la parole à Jean-Claude Voisin. Vous dire que 2011 et 2021, pardon, est célèbre le tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu, qu'il y a énormément de liens à développer et à trouver ensemble, que ce rôle des îles aussi dans la Manche et aussi à explorer en tant que laboratoire d'innovation, et que la baie du Mont-Saint-Michel a certainement beaucoup de choses à explorer sur la valorisation de ses ressources. Là, je cite une œuvre de Victor Hugo qui est assez remarquable, qui s'appelle « Les travailleurs de la mer », et peut-être qu'effectivement, ce jeu des marées dans la baie pourrait encourager à développer de nouvelles formes de valorisation du mitraïsme entre la baie du Mont-Saint-Michel et la Perse. Vous dire que très prochainement, un festival de cinéma iranien sera organisé sur les marches de Bretagne, à Vitré, à deux pas du Mont-Saint-Michel, et vous pourrez également vous replonger sur ce débat qui sera justement mis en valeur dans le cadre de cette programmation. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Claude Voisin, que je remercie de nous rejoindre pour cet atelier, et il va vous faire part effectivement des recherches qu'il a pu mener autour de Mitra. Merci à vous. Donc, je me lance, Kevin. S'il vous plaît. Eh bien, voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Et je voulais quand même par précaution dire que ma spécialité de recherche universitaire, c'est l'architecture militaire et que je ne travaille pas spécifiquement sur l'histoire des religions au Proche et au Moyen-Orient, et notamment en Iran, mais depuis 15 ans, je travaille sur la période sassanide, c'est-à-dire, on va dire, les 150-650, pendant lesquelles, entre autres, le culte de Mitra, alors pas le culte, la représentation de Mitra en tant qu'intercesseur, un peu comme l'archange Gabriel, va être mise en valeur, notamment dans les bas-reliefs qui célèbrent la dynastie ou les dynasties sassanides. Et c'est tout récemment, par relation amicale, qu'une jeune équipe dont fait partie Kevin m'a informé d'une présence potentielle de Mitra, du culte de Mitra au Mont-Saint-Michel. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant parce que j'ai moi-même, il y a 4-5 ans, travaillé sur la diffusion du culte de deux martyrs perses, d'origine perse, tels que la liturgie chrétienne les mentionne, est un culte, mais qui va se développer plus tardivement, à la fin du Xe siècle, notamment à partir de la région du Languedoc, Roussillon, pour essaimer beaucoup en Espagne, beaucoup en France, notamment, j'ai vu, sur les terres de l'abbaye de Cluny. Alors, c'était un moyen de sortir un peu des fortifications iraniennes. Et puis, là, je termine la mise au propre d'un manuscrit sur la place de la Perse dans l'Andalousie musulmane. C'est un travail inédit d'un grand humaniste iranien qui nous a quittés il y a 10 ans, et dont la veuve possédait un manuscrit en français de 1000 pages sur la place et le rôle de la culture perse dans l'Espagne musulmane des Visigoths jusqu'au XIIIe siècle.
Et quand la jeune équipe, Kevin, Laurent Garraud en particulier, m'ont informé de cette potentialité d'un culte de Mithra, notamment à Dole, en Bretagne, probable, puisque c'est là qu'on a des mentions du 19e siècle, du début 20e siècle, de ces trouvailles archéologiques d'hôtels torribolique, que ça m'a aiguillonné, si je puis dire. Et donc, j'en suis qu'au début de cette quête avec nos amis bretons. Ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, donc je dis bien qu'après 2 mois de recherche, j'ai autre chose malheureusement sur le feu, j'ai constaté la chose suivante. Le culte de Mithra, donc c'est un culte païen à l'origine de la Perse antique. Ce culte sera, si je puis dire, abandonné en tant que culte, même si le dieu Mithra va rester l'intercesseur avec les dieux, mais il sera abandonné en Perse assez tôt, dès la fin de l'époque parthe, c'est-à-dire, on va dire, grosso modo, à la naissance du Christ. Et ce sont les légions romaines qui, évidemment, pendant 500 ans, vont se battre, dès d'ailleurs le 2e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 6e siècle, donc ça fait 700 ans, contre la puissance perse, parthe puis sassanide, qui, elles, vont avoir connaissance parmi les militaires perses du culte de Mithra, puisque Mithra était, pour des gens qui étaient restés païens et qui n'étaient pas devenu zoroastrien, qui est considéré comme la première religion monothéiste du livre et qui a le même berceau, on va dire, que les trois autres qui vont lui suivre, puisque celle-ci serait antérieure. Grosso modo, on date aujourd'hui, les dernières recherches dateraient la naissance de leur. Enfin, du représentant de cette religion, puisque c'est comme ça qu'il se considère, Zoroastre ou Zarathoustra, à peu près vers 1500 avant Jésus-Christ. Et donc, on va se retrouver au 2e siècle après Jésus-Christ avec la séduction dans les armées romaines du culte de ce dieu. Pourquoi être séduit? C'est parce qu'il était, donc, dans le système païen iranien, considéré comme déjà le dieu de la force, le dieu de la guerre. Et évidemment, pour les militaires, avec la rigueur, avec des cérémonies qui étaient très codifiées, réservées aux hommes, secrètes, ils vont trouver là apparemment quelque chose qui leur convenait et qui répondait peut-être à des attentes. Donc, partout où la puissance romaine sera installé au bord de la Méditerranée, dans une partie de l'Europe centrale et orientale, et puis en Occident, évidemment, le culte sera porté, transporté par des légions ou des légionnaires, des militaires romains. Ce qui est très intéressant, c'est que la première des choses, c'est de penser qu'il y a 100 ans, on ignorait complètement l'existence du culte de ce dieu parmi l'Empire romain. Souvent, les témoignages de fouilles qui mettent à jour des temples avec des représentations symboliques, les attribuent presque toujours à une autre personnalité du panthéon romain qui est la déesse Cybèle. C'est assez récemment, on va dire il y a pas plus de 70 ans, que c'est en Italie qu'on va retrouver dans des sous-sols, encore en état, des mitraeums, donc ces espaces secrets, un peu comme des catacombes, dans lesquels se déroulait le culte. Donc des cérémonies initiatrices, on va dire, du culte de Mithra. Et à partir de l'agencement de ces vestiges, notamment vous avez un magnifique mitraum à Ravenne, dans l'Italie orientale, au bord de l'Adriatique, au sud de Venise. On va évidemment penser autrement, on va étudier les représentations figurées symboliques
qui sont identifiées au culte de Mithra, et on va décider, donc à partir de là, on va admettre que l'on a affaire à des temples consacrés à Mithra. Et à partir de là, on voit très franchement dans les publications scientifiques comment la cartographie évolue de l'Italie, puis on passe essentiellement en direction du Limès, vers la bordure franco-germanique, et puis petit à petit en France, un peu la vallée du Rhône, puis récemment, Kevin nous en a parlé, d'Angers. Alors après, on voit qu'un peu plus loin, comme par hasard, alors il y en a beaucoup en Espagne aussi, je dis ça, partout donc où on avait la présence romaine, les anglo-saxons, eux, vont découvrir en 54, vous l'avez vu, ce mitraum à Londres. Donc, s'il y en avait à Londres, ça veut dire que les idées de ce syncrétisme vont dépasser Angers. Et ce qui est très intéressant, donc nous n'en sommes qu'au début, je pense, de la prospective, et c'est là que je lancerai un appel aux Bretons et aux Bretonnes qui nous écoutent, parce qu'il est sûrement possible de faire évoluer la connaissance et l'impact de ce culte, de cette relation entre la Bretagne et l'antique Perse à travers une religion, le mithraïsme, si vous connaissez dans votre environnement, par exemple, donc, un lieu où le culte, je vais y revenir, de Saint-Michel s'est développé. C'est très intéressant de le signaler à l'équipe, à Kevin en particulier. Et puis, si vous avez connaissance de trouvailles archéologiques, souvent faites au XIXe siècle, d'une présence gallo-romaine. Parce qu'il nous faut plusieurs analogies, puisque le mithraïsme est porté par les légions romaines, il faut, un, que l'on ait une implantation romaine, si possible. Deuxièmement, que cette implantation soit ou ait des formes militaires, puisque c'est porté par les militaires. Et autre aspect, c'est souvent les lieux de culte de Mithra adoraient les lieux en hauteur. Donc, des lieux qui sont un peu perchés, qui dominent, ce qui était le cas, par exemple, au Mont Dol, qui était, je veux dire, au centre des terres, puisque la mer va monter, on vous l'a expliqué, surtout après le 5e siècle, après Jésus-Christ. Mais donc, à l'époque où le culte de Mithra a dû être développé localement par les légions romaines, les garnisons romaines qui pouvaient être là, et en particulier, une chose très intéressante qui a été dite par Kevin, la présence des ports. Parce qu'à travers les ports, on a la circulation des idées. Alors déjà, les ports sont défendus militairement, donc on a des militaires, mais les idées aussi, évidemment, vont transiter et par la mer et par la terre. Donc, si vous avez connaissance d'indices comme ceux-là, ça serait très intéressant de le signaler pour l'équipe de terrain, parce que je pense qu'il y a matière sûrement à découvrir quelque chose. Alors, il y a, je regarde l'heure, parce que m'a dit 15 minutes, donc il me reste peut-être 5 minutes, je voudrais faire un lien avec l'archange Gabriel. Ce qui est étonnant, ce sont les attributs que l'on consacre et à Mithra et à l'archange Gabriel. Il y a beaucoup de similitudes. L'archange Gabriel, le culte de l'archange Gabriel sera beaucoup lié au Moyen-Âge à cet aspect guerrier militaire. Je n'ai pas encore approfondi la question, mais André Vaucher, notamment, a dirigé deux grands colloques avec l'École française de Rome sur le culte, le développement du culte de Saint-Michel en Occident médiéval, et deux, sur les pèlerinages à Saint-Michel. Et tous les intervenants, italiens, allemands, anglais, français, qui ont développé ces personnalités de Saint-Michel, on voit bien, ont montré qu'il y avait cette analogie avec ce sentiment guerrier. Donc vous voyez, entre le dieu de militaire et puis à Saint-Michel, qui est porteur de cette notion aussi de défense. Mais une chose qui est plus troublante, j'ai vu dans un des colloques qu'il y avait des représentations de Saint-Michel terrassant le taureau.
C'est quand même extraordinaire. Au XIIe, XIIIe siècle, on représente Saint-Michel terrassant un dragon. Mais en Italie, on a retrouvé donc des représentations de Saint-Michel terrassant un taureau. Et vous voyez, c'est peut-être banal, c'est peut-être simpliste, mais entre le taureau sacrifié dans le culte de Mithra et dans toutes les représentations mithraïques, et puis le Saint-Michel sacrifiant, enfin terrassant un taureau, il y a quelque chose d'assez étonnant. Un dernier point, c'est que le culte de Saint-Michel, et j'ai vu notamment dans plusieurs recherches universitaires, dans l'Est de la France en particulier, mais aussi en Italie, le culte de Saint-Michel est souvent lié à la présence de l'eau. Alors, ici, on est au bord de la mer, bien entendu, mais moi, je prends ma région, l'Est de la France, les églises dédiées à Saint-Michel, surtout celles du haut Moyen-Âge, se situent toujours à proximité d'une source. Et ce qu'il faut savoir, je ne fais que citer des analogies, je n'en déduis rien d'autre, c'est que le culte de Mithra se développe toujours à partir d'un lieu élevé, d'une grotte ou d'une cavité et d'une source. Voilà les trois éléments qui étaient fondamentaux. Et on va retrouver, peut-être pas la grotte, mais on va retrouver le lieu élevé et la source pour les premières églises dédiées à Saint-Michel. Je ne parle pas du culte qui se développera au XIIIe, XIVe siècle. Donc, il y a là, par rapport aux traces d'un peut-être possible culte de Saint-Michel dans le secteur de la baie Saint-Michel, la garnison d'Avranches, il y a des traces apparemment qu'il faut aller vérifier au musée d'Evreux au Mont-Dol. Et puis, j'ai vu une chose, c'est que dans les fondations, donc c'est dans un des colloques où le conservateur en chef du Mont-Saint-Michel explique les fouilles archéologiques qui ont été menées sous la basilique au niveau le plus bas, et au fond du chœur, ils ont découvert un mur, et il est écrit que ce mur est fait de parements qui rappellent des constructions celtiques, mais pas du tout médiévales. Et ça voudrait dire qu'il y avait déjà quelque chose bien avant. On n'en est que là pour le moment, dans les traces, mais ce n'est pas improbable, je ne dis pas c'est certain, mais ce n'est pas improbable qu'effectivement on puisse, sans être des uluberlus, imaginer, et on va le voir dans les prochains mois, qu'il y ait eu un culte de Mithra, donc antique, avant le IVe siècle, puisque c'est au IVe siècle généralement qu'il y a des persécutions contre le culte de Mithra, et de la part du régime et de la part des communautés chrétiennes, mais qu'auparavant, donc dans au IIe, IIIe siècle, il y a pu avoir un culte de Mithra, ce ne paraît pas tout à fait improbable. Voilà, pour rester prudent. Merci à vous pour votre prise de parole. Nous sommes limités à 40 minutes. Vous avez l'adresse courriel pour recevoir la présentation, les supports et enrichir en tous les cas ce passionnant sujet. Merci infiniment pour votre prise de parole. Y a-t-il des réactions ou des questions ? Écoutez, cette conférence est...